Moi, c'est Emma. J'ai 14 ans. J'avais une vie simple, des amis, une famille aimante. Tout allait bien, j'étais heureuse. Mais c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de quitter mon petit ami Nino. Ce n'était pas un mauvais garçon, mais il était facilement influençable. Mec, t'es sérieux? T'as vu ce qu'elle t'a fait? Balance les nudes, sérieux! Vas-y, balance-la! Non, Nino. Arrête-toi là, ne les écoute pas, s'il te plaît. S'il te plaît, au moment où tu le fais, tu ne te doutes pas de ce qui va se passer. Emma, pourquoi t'as envoyé des nudes de toi? Et Nino, il a créé des groupes où il les a balancés. J'étais paniquée. Pourquoi j'ai fait ça? Comment je vais m'en sortir? Je n'étais qu'au début de mon cauchemar. Je ne sais plus si j'ai fait quelque chose de mal. Si je suis coupable. Vous êtes vraiment des gamins! Mais finalement, elle a décidé de ne pas le jeter. Tiens, c'est pour toi. Emma, où? Tu suis le cours? Et vous, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me voyez? Personne ne me voit? Est-ce que quelqu'un a essayé de me sauver? Je pensais que ça s'arrêterait là, mais la situation a dégénéré. T'as pas honte d'envoyer des nudes? Crève, sale traînée. Tu me dégoûtes. Elle va crever, salope. Avait-il raison? On va faire l'appel. Sacha Baudet. Présent. Laura Blanchard. Présente. Charlotte Petit. Présent. Emma Dupont. Emma, elle est pas là? Si, elle est partie faire des nudes. Bon, est-ce que tu pourrais être un peu plus sérieuse? Vous savez où est Emma? Absente. Face au harcèlement, ne restons pas indifférents. Appelez le 3020.